Salut à tous, c'est Desbranches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour God of War. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à jeudi pour voter pour la vidéo du dimanche. Car peu de votes. Faites pas, moi ça me dérange pas, hein. Je continue sur. Spider-Man. Hein. Ça me dérange pas, il me plaît bien. On continue, puis on verra bien jusqu'au temps où vous voudrez changer. N'oubliez pas que cette semaine, vous n'avez que deux épisodes de God of War, étant donné que jeudi, il y a la découverte des jeux du mois, qui, je répète, effectivement, les jeux du mois ont beaucoup moins de saveur, pourtant ils ont mis le paquet hein, ce mois-ci, donc mois d'août. Parce qu'on a quand même d'habitude, on a un jeu qui coûte entre 40 et 60 balles, à peu près en arrondissant. Et les autres, c'est du 30-20 balles. Et même parfois plus petit jeu. Là, on a quand même deux jeux qui sont à 60 balles, il me semble. Et un jeu un petit peu moins cher, mais qui est quand même à 30 balles, il me semble. Donc, c'est pas rien. Bon, même si on peut dire que un des jeux qui a 60 balles, c'est un petit peu. C'est foutre de la gueule du monde. Enfin bon. Ok. On est parti? C'est parti, c'est parti. Alors, on devait amener la tête du vieux, je sais plus où. On verra bien. Mais c'est vrai, je maintiens ce que je dis, hein, les jeux du mois ont beaucoup moins de saveur pour ceux qui ont mis un petit peu la main à la poche et qui ont accès au catalogue PS Now. Jotunheim. On va à Jotunheim. On va trouver l'ancien royaume perdu des géants. C'est... inopportun. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Retourner à la maison de la sorcière. Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Je l'aimais bien. Avant que tu lui coupes la tête. C'est quoi ça déjà? Vous vous rappelez? Je dois aller là. C'est quoi ça pour d'accès mystique? Le magma de Fafnir. Je peux aller là? Non, non, attends. C'est chez moi, ça. Je dois aller là. Il y a beaucoup. Inaccessible pour l'instant. Ok. Bon, en fait, on va continuer à pied. Ah, bah, je crois que j'ai pas trop le choix. Ok, bon bah j'ai compris. En gros, je suis obligé de prendre ça. Et ben... je peux me TP là? Je peux pas. Je peux me TP là?
reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az, tu t'es battu avec lui et t'as gagné. Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent, c'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce? Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'était pas le moment de parler de ça. D'accord. Ma pause déjeuner. Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi. Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude. Autant vous joindre à moi, maintenant. Oh. Nous n'avons pas faim. Tant mieux. Je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Hmm? Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement, même si sa vie en dépendait. D'accord. Est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. Pour quelqu'un qui supporte pas son frère. À la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Et tu te permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée. Aucun problème. Comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Atreus, ici. Oui, père. Au pied. Pardon. Mais c'est à peu près ça. Hein. Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici? Par là. Derrière la grande statue de Thor. Alors, quelle histoire tu voulais raconter? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils se défient dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoires, hein. Je suis paumé. On peut pas prendre le drakkar, là? Ah non, on ne pourra pas prendre le drakkar.
Je sais pas où je vais, hein. Je pense que vous aviez compris. Que je savais pas où j'allais. Une autre histoire? Une seule. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mais il ne pouvait pas tuer le cerf seul. Le cheval rencontra un homme, un chasseur, et fit un pacte. Il prit le mort et la bride de l'homme et lui permit de se mettre en selle sur son dos. Ensemble, ils tuèrent le cerf et le cheval savoura sa victoire. Mais le chasseur refusa de libérer le cheval et fit de lui son esclave. Donc il a perdu sa liberté pour se venger. J'espère que ça valait le coup. Ce n'est pas le cas. Ben, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille là. Mais je peux pas. Pourquoi je peux pas? Impressionnante. Qui l'a construite? Je ne sais pas. Ah, ok. Ça, c'est long les moments en barque, hein. Oh là. Pas d'action, c'est pas ouf. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. Comment va faire pour monter?
avis, c'est des trucs que j'ai oublié de faire, ça. Pas d'autres sauts, je vois pas comment aller comme ça. Allez, oh le bâtard. Le petit, quand même, il devient quand même un petit peu plus utile. Hein. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Je vais... Ouais, je veux bien, mais je vois pas trop comment faire. Merde, fallait sauter ça. Oh, le voilà. J'espère qu'il se souvient de nous. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sortie réussit? Qu'est-ce que c'est que ce nom?
C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Sois prêt. Ah, les moustiques. Convenable. Lila. D'accord. Satan meetings sur tous ceux qui entrent. Pas mort. Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Et on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché. Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, Votre Majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand
qu'il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef d'Evan autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant. De rien. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple des Tyrs dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. C'est long. Allez à la corne du serpent. C'est où ça? Corne du serpent. Le bout de Fafnir. Je sais plus. J'avais pas un truc avec Ah si, le magot de Fafnir. Je peux peut-être aller, hein? Non? On va peut-être y aller. Est-ce que je peux? Mais attends, j'ai pas vu où c'est que je vais aller. Eh ben, j'ai qu'à... Oh. On va se téléporter. On va aller là où on a été tantôt, là. Voir le nain, là. Brock. C'est à côté. On va pas se prendre le chou. Putain, par contre, c'est long. Hein. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé.
bruit? C'est chez moi ou c'est dans le jeu? Tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne! Maintenant, approche ma bouche de la corde. Eh ben non, ça sera au prochain épisode. Alors, est-ce qu'on peut monter sur les compétences? C'est quoi ce genre? Ouais, je peux. Cinq cibles. Je sais pas. On va continuer à prendre les trucs de du gamin. On augmente considérablement la cadence du tir de l'arc. C'est quoi ça? Les flèches électrisent encore plus de dégâts électriques aux ennemis. Ça peut être pas mal. Les flèches lumineuses. Si on peut pas améliorer, je sais plus c'est comment on améliore. On peut pas l'améliorer. Ah non, c'est ces trucs là qu'on améliore. Plus de gifles, plus de dégâts. Je le prends. Et lui. Ah, 4000, j'aurais dû le faire avant. Augmente considérablement le rayon de la frappe initiale et le dégât de givre. Dégâts plus 1. Ah, plus tard. Ah, bref, non. On s'arrête là. Prochain dans le prochain épisode qui sera donc samedi. C'est ça. Samedi, là on va faire les jeux. Jeudi, il y aura les jeux du mois. Alors certains prendront d'autres jours en épisode. Je sais pas exactement comment je vais faire. Je sais pas encore ce qui va me donner. Est-ce que je vais faire un seul épisode? Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais qu'un seul épisode, mais un gros épisode, genre une heure de jeu? Est-ce que je fais moindre? Je ne sais pas, on verra bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas le like, le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être au courant de chaque vidéo ou au moment où on est en live.
Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.